Innocent Balomi, bonjour. Bonjour Moukouba. À bord de votre Jeep. Récemment à Goma, vous avez fait les actes louables. Qu'est-ce qui vous a poussé de penser au démini? Comme je suis venu, et comme les gens le savent, je suis venu pour agrémenter le lancement de la 5e édition du Tour de cyclisme pour la première fois à Goma, qui est ma ville. Et donc je me suis dit que je ne pouvais pas rentrer à Kinshasa avant d'aller visiter les malades, parce que j'ai appris qu'il y avait plusieurs cas de personnes qui ne savaient pas se libérer des hôpitaux parce qu'il y avait des factures à gérer. Et donc je me suis dit je vais aussi les visiter, les apporter mon soutien. Et c'était simplement ça. Donc là maintenant, je suis à l'aéroport, je rentre pour continuer le boulot et faire aussi mes examens d'état. Donc au moment où nous réalisons cet entretien, c'est à la veille des exétats. Oui, déjà c'est cette semaine que nous commençons, 4 jours de ces épreuves-là. Et donc voilà, je demande seulement à toute notre population de nous mettre dans des prières et tout ça. Et voilà quoi. Et aussi, on va maintenant continuer le boulot parce que je prépare aussi un maxi single de 5 titres qui sortira le 30 juin. Et voilà. Mais bon nombre se posent mille et une questions. Est-ce que Innocent Balomi veut devenir comme Michael Jackson qui évoluait sans orchestre? Je suis venu avec mon orchestre. C'est d'ailleurs une bonne question. C'est même aussi pour ça que je suis là, parce que je devais partir depuis avant-hier. Je devais rentrer dans la capitale, mais j'avais pas suffisamment de place dans l'avion. Et donc, comme je suis venu avec des jeunes de Kinshasa, ils ne maîtrisent pas la vie, je me suis dit, on va sacrifier toutes ces places-là. D'abord, une partie de commence à nous précéder à Kinshasa. Et puis nous, maintenant, on a la place aujourd'hui. Donc là, on est tranquille, quoi. Toute l'équipe est à l'aise. Parmi votre équipe, les jeunes, les adultes, où vous avez choisi de votre génération? Bon, ce sont tous des adultes. Je suis le plus jeune du groupe. Le patron. Bon, Kiongozi. Et quand vous êtes avec, comment ils se comportent devant leur chef, le plus jeune et le plus petit? Normal, c'est la famille. Ce qui nous lie, c'est le travail, et on développe aussi des relations amicales. Donc voilà, c'est vraiment la famille, quoi. Il n'y a pas de pression, c'est juste la musique qui nous unit. Et on aime tout ce que nous faisons, et voilà. Mais pourquoi pour le moment vous voulez la vie en cachette, vous ne voulez pas apparaître au public et à tout moment comme les autres faire des chantages? Bon, ça dépend. Quand on apparaît, c'est vraiment pour de bonnes raisons, pour jouer de la bonne musique et continuer à offrir aux fans ce qu'ils veulent. Mais bon, s'il n'y a pas vraiment à faire, je ne trouve pas que c'est important de paniquer, de se rendre trop visible pour ne rien faire. Donc c'est seulement ça la stratégie, quoi. Parce qu'aussi, il faut aussi vivre une vie à part, quoi. Je dois aussi vivre ma vie à part. Mais Innocent Balomi qui a grandi, que les gens admirent, quel est le message particulier surtout au peuple de Goma qui est votre ville? Le message, en tout cas, c'est je vais demander à toute la population de continuer à soutenir les jeunes artistes, les jeunes talents, que ce soit dans les sports, comme nous l'avons tous vécu pendant la course, donc les cyclistes. Donc continuez à soutenir la jeunesse, continuez à nous faire confiance, et on va aussi vous faire plaisir, on va vous rendre fiers. C'est simplement ça. Et aussi, je vous aime beaucoup. Je passerai toujours à Goma de temps en temps, même si je suis maintenant plus basé dans la capitale pour le travail. Donc voilà. Quand est-ce que vous allez recruter aussi parmi les artistes de Goma pour les promouvoir? Ça va venir avec le temps. Jusqu'à là, nous sommes d'abord en train de respecter ce qu'on appelle Kweshimia ma étape, parce qu'on ne veut pas aussi sauter des étapes. Comme je suis plus basé à Kinshasa, c'est donc il faut des moyens pour déplacer des gens qui vont venir peut-être de Goma ou d'autres provinces. Donc ça va venir avec le temps. Mungu akatubariki na sisi tutaangalia gizi ya kusaidia bengine. Bonne chance et tout ça. Merci beaucoup.